Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche, le 13 février, le thème de la rhapsodie des réalités est Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. L'écriture du jour est 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 et 52. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et verset 52, la Bible nous dit, Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Oh, hallelujah, hallelujah. Le pasteur Christ nous dit que lorsque vous lisez ce que la Bible dit à propos des derniers jours, vous devez tenir compte de deux facteurs pour bien comprendre. Tout d'abord, le contexte, puis le message de celui qui écrit. Les derniers jours fréquemment mentionnés dans la Bible se réfère à ces jours juste avant la période du millénaire. Or, les prophètes qui ont particulièrement utilisé ces termes n'incluent pas l'ère de l'Église. Ainsi, lorsque nous disons les derniers jours, nous ne parlons pas des derniers jours par rapport au calendrier juif tel que donné par les prophètes. Il y a beaucoup de signes qui devraient vous faire savoir où nous en sommes et combien de temps il reste au monde avant que les jugements des nations ne commencent. Par conséquent, peu importe où vous êtes aujourd'hui, je veux que vous sachiez que Jésus revient bientôt. Il y a ceux qui croient et ceux qui l'attendent. Il y en a d'autres qui ne pensent pas qu'il vient et donc ils ne l'attendent pas. Mais il vient et il vient pour ceux qui aiment son avènement. Selon 2 Timothée chapitre 4, le verset 8, ceux qui l'attendent. La Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 37, heureux sont ceux qui attendent son retour. Ceux qui disent « Viens, Seigneur Jésus » Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Vivez votre vie comme quelqu'un qui l'attend, comme quelqu'un qui espère sa venue. Souvenez-vous, cela fait presque 2000 ans qu'il a quitté ce monde. Les paroles des prophètes concernant sa venue s'accomplissent toutes sous nos yeux. Plus important encore, il a dit de lui-même, « Oui, je viens bientôt. » Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Il vient pour son Église. Êtes-vous membre de son Église? Ce jour-là, cela ne se passera pas comme dans un processus graduel, ce sera en un instant, en un clin d'œil. Nous serons enlevés de ce monde pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ne soyez pas pris au dépourvu. Restez en Christ, dans la justice, et continuez à vivre pour lui. Oh, hallelujah, hallelujah. Chers frères et sœurs, je vous prie de prendre cette prière avec moi. Cher Père, merci pour la bénédiction et le ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Lui qui me guide et me maintient sur le chemin de la justice pendant que j'attends ton retour glorieux. Je prie même maintenant pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, qu'ils soient vivement touchés dans leur cœur par le message de la grâce du salut
en Christ et qu'ils expérimentent la paix et l'assurance qu'on éprouve en recevant ce glorieux évangile. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 2 Pierre chapitre 3 du verset 3 au verset 5 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 18. 2 Pierre chapitre 3 du verset 3 au verset 5 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 au verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.